Et comme dit le monsieur, c'est parti mon kiki, nous sommes sur la map Gleth, en compagnie du Rhône, le croiseur en neuf allemand, et nous sommes avec Japlou. Je suis particulièrement content d'avoir reçu cette bataille de Japlou, c'est un membre de mon ancien clan. Généralement, il envoie, quand il envoie les batailles, elles sont relativement fumées, ce sont toujours des batailles de très grande qualité. Et donc, j'accepte bien évidemment les yeux fermés quand il me voit des batailles. Il fait les choses bien. Vous allez voir, je l'ai pas vu hein, la bataille, mais je suis à peu près. Je m'engage peut-être beaucoup, mais non, pas tant que ça. Je crois pas que je m'engage. Japlou, on voit toujours de très grandes batailles. Il a choisi un navire qu'on voit pas souvent sur ma chaîne. Le Rhône, le croiseur allemand de rang 9, donc de l'art technologique. Croiseur avec l'agencement des tourelles typiquement allemande, puisque c'est trois tourelles de 203, trois tourelles triple 203, mais disposées de manière 1 et 2, c'est-à-dire que les deux tourelles arrière, les deux tourelles sont à l'arrière, elles font vraiment une tourelle de fuite. Alors que la force de frappe qui est à l'avant n'est constituée que d'une seule tourelle. Donc néanmoins, on va voir que ça n'empêche pas le Rhône d'être d'avoir du mordant. Alors, normalement, oui, il doit avoir un temps de rechargement qui doit tourner autour des 8 secondes. C'est assez correct. Hein. Donc voilà, donc 10 secondes, 10 secondes. Un petit peu moins de 10 secondes. Le Rhône fait partie des très bons croiseurs rang 9 qu'il peut y avoir dans le jeu. Mais on a d'ailleurs un Ibuki en face qui, pour moi, avec le Rhône, voilà, c'est les deux très bons croiseurs de rang 9. Il y a le Saint-Louis, bien sûr, pour les Français. Ce sont les quelques navires qui peuvent tenir leur place, même contre des rangs 10, sans trop de difficultés. Les autres ont un petit peu plus de mal, ça sont fragiles. Je pense au Buffalo et au Seattle, chez les Américains par exemple. Le Neptune a la particularité d'avoir une smoke. Donc il peut, si on sait jouer le Neptune, ça peut être un gros atout. Et ça peut être une catastrophe, c'est pas de jouer une navire en utilisant leur smoke. Le Rhône a peu de faiblesses en fait, et il a peu de grandes forces qui le détache des autres, mais il a peu de faiblesses, et c'est ce qui fait sa force justement. C'est que c'est un navire qui est à la fois incroyablement précis, rapide, bas sur l'eau. Je lui reprocherais peut-être la portée de ses torpilles qui. Je crois que c'est des torpilles qui vont à 8 km. À 6 km. Torpilles allemandes. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais vous voyez que bon, il fait des dégâts pratiquement chaque. Bon, c'est des petits dégâts pour l'instant. Mais on va voir que vu la cadence et vu. Après, c'est la problématique du Rhône, c'est un petit peu la problématique de tous les pilotes de croiseurs en rang 9, hein, même qu'on retrouve à partir du rang 8 d'ailleurs, c'est de se faire oublier, d'éviter de se faire attirer l'attention sur soi. Donc vous tirez, ne tirez pas comme un malade, ne spammez pas sur un navire quand vous n'avez pas de. Comment dirais-je
solution de fuite. Parce que si jamais vous énervez un navire, bon ben le type va se mettre sur vous, et si c'est un bon tireur de cuirassé, lui il va vous faire mal. Donc il faut toujours savoir se faire oublier en croiseur. Ou comme dans le cas du Leningrad quand il vient de se faire couler, la Leningrad rouge, ben vous frappez sur plus petit que vous. Ça, il n'y a pas de problème. Achtung, melde Zielposition. Alors là, il tire sur le dérosseur parce qu'il a vu que le dérosseur était sur un autre navire. Et donc, bah, il spamme un petit peu. Pour l'instant, il n'a pas fait de folie, il y a 14 000 de dégâts. Mais regardez sa place dans la minimap. Regardez sa place, il est complètement au sud. Il se fait complètement oublier. Il tire au maximum de sa portée. Le dérosseur rouge a très largement l'embarras du chat tant que cible et il ne lui viendrait pas forcément l'esprit de tirer d'abord sur le rouge. D'ailleurs, quand on est cuirassé, généralement, quand on est comme ça très avancé, on a tendance à tirer sur le cuirassé ennemi le plus proche ou le plus flanc. C'est un grand classique. Alors, en plus, là, il s'est arrêté, ce qui va permettre à Chaplou de spammer un peu les dégâts. Depuis que j'ai donné les dégâts, on est à 19 000, on va monter à 20 000. Vous voyez que ça ne monte pas vite, mais c'est le propre des croiseurs, ça. Les croiseurs qui montent en tier 9, où ça va monter très vite, ça va être le Neptune, parce que vous êtes derrière une smoke et vous, la paix anglaise fait très très mal, et vous montez à des cadences incroyablement rapides. Vous tirez deux fois là où le round tire une fois. L'autre navire avec qui ça monte très vite, c'est le Brindisi, c'est l'italien. Moi j'ai une faiblesse pour le Brindisi à cause de SAP. Et vous voyez là, à force de spammer, ben voilà, il a attiré l'attention sur lui. Le round à un moment donné, ben, il avait les tourelles tournées vers le dérosseur, il était tourné sur le round. C'était fatal qu'il ait tiré sur le round de Japon. Hein. Bon, à un moment, pour lui dire de se calmer un petit peu. Que... Alors, là, Chaplou a levé, a baissé sa vitesse de façon assez brutale, et la renonce légèrement, et le dérosseur est passé à quelqu'un d'autre. Donc là, on est monté à 50 000 de dégâts, ça y est, ça monte d'un coup. Il a mis un incendie, il en est à 4 incendies. Hein. Oui, je disais, le Brindisi, à cause des SAP italiennes, sont excellentes. Et là, vous montez très vite au niveau des dégâts. Pichy qui essaye de faire une Cita, alors qu'il fait face à un Nelson. Oui, c'est un choix. Mais il vient avec l'idée de torpiller le Nelson. Là, le round est très, très, très... Il est très important qu'il aide... Et vous voyez, le Fiji fait très mal, ça rend mon tête. Oui. Il lui fait mal au round. Hein. Et là, je pense qu'il va venir faire un dépôt et le pauvre Nelson ne s'en sortira pas. Voilà, il tourne. Et c'est là que le round va lui mettre des Cita peut-être. Voilà, une Cita. Mais le Nelson a explosé. Le Fiji s'est sacrifié. Hein. Ça, c'est un coup classique. Quand vous êtes un cuirassé, surtout immobile comme ça, ben, aucune chance d'échapper à un croiseur. Vous pouvez le sortir, hein. Il y a de bonnes chances, une fois sur deux, d'arriver à lancer les torpilles et il vous sort. Essayez d'être en mouvement, même à vitesse 1 quart, quand vous voyez que vous êtes sur le point d'être chargé, commencez à vous mettre en vitesse 1 quart, ne vous mettez pas en marche arrière, parce que vous êtes en vitesse constante, autant que le navire s'arrête, surtout à Nelson. Que le navire s'arrête et qu'il redémarre vers l'avant, vous allez tenter une belote. Hein. Il est là pour un bon moment. Le Nelson est un navire très lent, peut-être un des plus lents du jeu. Il faut vraiment... Alors là, on a un Minnesota. Alors le Minnesota, pour ceux qui l'ignorent, parce que je ne sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne, je la tourne en mi-octobre. Nous sommes en plein dans l'émission d'accès anticipé des cuirassés de la ligne alternative des cuirassés américains, c'est-à-dire justement les cuirassés qui n'ont jamais existé, qui étaient tous des projets très avancés. Une ligne que je trouve un petit peu inutile, mais bon, ça c'est mon avis, hein, je pars.
Je trouve pas cette ligne phénoménalement intéressante. Les navires ne sont pas forcément beaux en plus. Et le fait qu'il n'ait pas existé ne me les rend pas plus sympathiques. Je trouve qu'il y avait peut-être plus urgent à faire. Alors j'admets l'idée que finalement les sous-marins, ils n'avaient pas vraiment le temps de... Ils n'avaient pas le temps de finir de les déséquilibrer, mais bon. Là, j'ai plus le tir, mais j'ai l'impression que le croiseur qui visait avait ralenti sa vitesse, cassé sa vitesse. C'est l'Ibuki. Non, c'est pas l'Ibuki. C'était... Voilà, le Prince Reagan. Ou le Kronstadt. Peut-être le Kronstadt. Alors, Japlou, jusqu'à présent, a été extrêmement prudent. Il est à 70 000 de dégâts. Pour l'instant, c'est pas une bataille de folie. Un kill. Mais, il nous sait ce qu'est un King George cuirassé de rang 7 à la paix. Alors, pour l'instant, ça bounce. Ah, il est bien à basculer à cheveux. Mais, c'est vrai que si le King George passe en deux flancs, ça vaut peut-être le coup de tenter le... d'aller chercher le... Ah, il tombe un peu dans le tiède. Là, voilà, c'est très bien vu. C'est ce qu'on appelle une esquive, hein. C'est un coup qui est assez facile à faire, mais il faut pour ça avoir un œil sur le navire qui vous tire dessus. Là, naturellement, il n'a pas eu le temps de basculer à la paix. Mais il a peut-être le temps de faire passer les obus, voilà, et on s'en dit. 6 obus au but. La ratio, en termes de précision et de pourcentage d'obus que vous mettez au but avec un round, vous êtes pratiquement sur le schéma d'un croiseur japonais. Rendez-vous compte qu'il a mis... il est passé 100 litres. 100 litres en rang 9, c'est déjà bien. Pour l'instant, les rouges sont en train de massacrer les verts en termes de frag. Parce qu'en termes de... Par contre, en termes de points de capture, ça se vaut, parce que les verts ont plus de cap que les rouges. Bon, ben, on a sorti, on revient petit à petit à égalité. Il reste 6 navires verts contre 7 navires rouges. J'avais 4 cuirassés pour les rouges contre 2 seulement pour les verts. Pour l'instant, l'avantage est très nettement rouge, à mon avis. Les choses risquent d'évoluer. Et si elles en restent là, si la tendance continue, les rouges vont commencer à capturer et les verts ne pourront rien faire. Il va falloir vite faire du kill du côté des verts, sinon la bataille est perdue. La tendance va s'inverser brusquement. Musashi qui a raté son tir. Et là, c'est un Prince Reagan en marche arrière. Il est passé à la paix. Ça veut dire que la prochaine salve risque de faire très mal. S'il arrive à choper le Prince Reagan, là, il va mettre 2 obus. Prince Reagan, dans toute logique, va démarrer. Non, il continue à reculer. Je ne suis pas certain. Il est à la mise 2, les 3 obus ont touché. Il a tiré avec une seule tourelle. Par contre, Musashi commence à régler la hausse, faire attention. 112 000 de dégâts. Il s'acharne sur le Prince Alien pour faire son deuxième kill. Le Prince Alien a senti Alsace. Ça commence à sentir le pâté pour les verts. Attention. Il n'y a plus que 200 points d'avance pour les verts. Heureusement, ils ont les 3 caps. Mais ils sont à 5-6. Allez, il va former le Musashi. Un Musashi qui est... Je ne sais pas ce qu'il attend pour aller chercher le cap D, le Musashi. Plutôt que de tirer de manière incertaine sur un rune, et d'attirer l'attention sur lui, qu'il cap à bon sens. Alors évidemment, l'Ognevoy que l'on voit ici le verrait, on ne va pas tarder à le voir. Il vient le chercher. Mais ils sont à 6-4 et rouge en termes de frag. Plus qu'il y a moins de 200 points maintenant.
Évitez que vous achetez. Oula, les bouquins viennent prendre très cher. Voilà, ils vont... je pense qu'il va éviter. Ah, le Musashi, il n'a même pas l'idée d'aller capter. C'est consternant. Ouais, c'est un petit peu consternant. Ça y est, il va rentrer dans le cap. Si le mieux. Dans les deux jours, à 6-4. Et éviter effectivement que Musashi le cap, parce que ça va être. Oh, ça va faire mal ça. Il se met de flanc, j'ai plus attention. Ouais, il y a un peu de mal le pilote du Musashi. Bon, t'as un cuirassé japonais. Hein, on n'est pas d'une précision. Les cuirassés japonais ne sont pas d'une précision diabolique. On le sait. C'est pas les Américains, clairement. Et là, les torpilles qui lui font dessus, les torpilles de Nevo, ils risquent de lui faire très mal. Non, ça va. Il s'est arrêté. Il a bien joué le coup. Les torpilles passent à l'ouest. Par contre, consciencieusement, et il n'est plus vu. Et il n'est plus vu, Japlou. Voilà, voilà un endroit sympathique où planter la tente pour farmer le Musashi. Il a cassé sa vitesse, mais il a pris un petit peu tard. C'est dommage. Et tant que le Nevoy le spot, ben c'est bien, c'est tout ce qu'il faut. 6-4, plus que 230 points d'avance pour les verts, ils gardent la cadence. Ils ont deux caps qui sont contestés, ils en ont un actif, c'est tout. Mais comme les rouges n'en ont qu'un actif aussi, les rouges ne reprennent pas, ne grignotent pas leur retard. Et le Musashi est un peu seul. Parce que le Rumoun et le Gnevoy farment sur lui des dégâts. Alors, là, je vois, attention à l'Ibuki, mais l'Ibuki est un peu loin. Prince Hagen vient de se faire sortir par le Neptune. 6 à 5, on est en train de. Ça y est, les verts sont en train de remettre les plus pendules à l'heure. L'Ibuki est un poil loin, mais il y a un coup à faire. Hein. Japlou l'a vu, mais il se méfie du Musashi. Ah, je reviens sur les bouquins, mais il est peut-être un peu loin. En termes de précision. Ah, il est tenté les bouquins, il a mis Japlou. Cela, le Musashi, il peut tout de suite. Le Musashi était là, je suis. Ah, bon, non, consciencieusement. Ah, deux navires d'un coup ont été coulés. Ils sont à 5-2 maintenant pour les. 5-2 pour les rouges. Ça va être chaud. Nous assume et tire la chute. Japlou qui obtient ce soutien. Là, il y a 166 000 de dégâts. Je vous avais dit que ça allait faire du. Voilà. Deuxième kill. Mais là, il va ramasser les morts. Hein. Là, vous pouvez vous faire confiance. Le Musashi continue de tirer, mais. Ah, il fait mal, là. Il fait très mal. Donc, il met des incendies à tous les coups, pratiquement. Mais le roule aussi, mais c'est pas des incendies. Hein. Il en est à son 9e. Ouais, attention. Troisième kill. Voilà, troisième kill. Un incendie. À lui tout seul, il rattrape le coup. Ils sont revenus à 2-3. Donc les boys tentent de torpiller le Musashi. Est-ce que le Musashi va se laisser emporter par son élan? Il envoie l'avion. Avec l'espoir de voir le Musashi juste derrière la crête. Il reste une bout de vie. 13 000 points sur les 40 000. Voilà, il a détruit l'aviron du Musashi. Ah, c'est une bataille parfaite, hein. 3 kills, on n'est pas dans les 4 as. Alors, vous le savez si j'ai mis dans les 4 as. Moi, je le sais aussi. Hein. J'ai fini. Voilà le Musashi, et là, boum!
Ah, la paix, à la paix, à la paix. Ah là-bas, il est passé à la paix. Incendie. 8 ans de ferme. Oh là, oh. C'est toujours pas grand-chose, hein. Et boum, 4 as. Voilà, maintenant, on va normalement le féliciter, on va lui dire bravo, parce que sinon, c'est pas bien. L'obnévo, il va aller chercher D, parce qu'il est tout près, il a intérêt à le faire. Comme ça, il n'y a plus qu'un seul cap, il n'y a plus aucun cap actif pour les verts. Et ils ont encore un cap, mais ils sont en train de se le faire piquer par le je dis, un bourre. Mais la game va s'arrêter là. On lui dit non, et il est content, j'applaudis. Il peut être content de sa bataille. Allez, fin de la game. Et on enchaîne avec les écrans de bataille. 21 565 d'XP. Donc soutien. Il a dû faire Dreadnought. Oui, Dreadnought. 243 coups au but en croiseur. Quand vous n'êtes pas en Édimbourg, en tiers 9, il n'y a pas beaucoup de navires avec lesquels vous faire autant. Mais vous avez vu comment il a joué tout le long. Remettez-vous la bataille, s'il le faut. Il était en fond de cours et il a snipé tout le long. Et même parfois, je trouvais qu'il prenait beaucoup de risques en étant seul, sans pouvoir se planquer. Mais il a snipé tout le long. Joli 7284 points d'XP libre. Donc 180 000 de dégâts. 4 kills. 10 incendies. Une seule citadelle, mais 15 bases défendues. Et comme il a défendu ça à la base, il était là pour faire Evdal, hein, celui qui garde le Valhalla, ou si vous préférez Gandalf. Il finit premier avec 2354 points d'XP de base, 2000 pour le Pomerne qui est derrière. C'est un joli total pour lui avec son rune, son rang 9. En ce qui concerne les dégâts potentiels, 1,6 million. On lui a tiré dessus. Hein. Clairement, 1,6 million, c'est beaucoup. Et il s'en tire très bien. 80 000 km de parcouru. Il a joué le round comme je le joue et comme j'aime jouer les croiseurs. C'est-à-dire en mouvement permanent. On ne s'arrête jamais. On fait des 8 dans l'eau. Et puis, bah voilà, quoi. Ça passe ou ça passe pas. Parce que parfois, vous tombez sur de très très bons viseurs. Et quand ça passe, c'est élégant, c'est beau, c'est efficace. En termes de HAP, j'attire votre attention sur le fait qu'il a beaucoup switché. Un obus sur 2,5 à la paix pour faire un total de 43 000 points de dégâts. Quasiment 90 000 points pour un obus, bah pareil, à 2,5 grosso modo à la HE. 48 000 points d'incendie, c'est beaucoup, hein, mais vous avez vu le nombre d'incendies qu'il a mis. Donc ça, bon, ben, voilà, quoi, je veux dire, on a fait le tour, hein, c'est le rune, dans toute sa splendeur, c'est un navire, je vous l'ai dit, qui est d'une diabolique efficacité, il tire, il est très précis, et c'est sa seule qualité, mais tout le reste, il n'y a pas de réel défaut chez le rune. C'est un croiseur, donc il est fragile de flanc, mais pour le reste, il n'y a pas de vrai défaut. 41 000 points d'XP d'expérience du commandant. Voilà, c'est tout. On t'a fait un beau 4H. Je remercie Japlou de m'avoir envoyé cette bataille. Elle est vraiment excellente et ben, j'espère la mettre assez rapidement. Je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, commentez. Moi, ça me met de référencer la chaîne. Et puis, ben, on se retrouve très vite. Si vous voulez bien.